rapida come il senso ancora. Moi j'en profite pour dire un petit mot à propos de ce monsieur qui est là, qui s'appelle Papito, et je parle pour les enfants et pour les parents. Depuis des années, depuis que sa petite fille a été dans une de nos écoles, il vient filmer les événements. Et après, il nous donne un lien privé que j'envoie à mes collègues, qui le transfère aux parents. Aucun visage d'enfant ne sera sur les réseaux. C'est complètement privé. Et quand il met la chorale des vendanges sur YouTube, tous les visages des enfants sont floutés. Donc, voilà. Et j'en profite tant que... Vous attendez. Bon, moi, je vais laisser la parole à M. Éric Lejoin. Merci Françoise, bonjour les enfants. D'abord, je suis très heureux, comme tous les ans, d'avoir l'occasion de participer à ce moment. Je remercie bien sûr Françoise qui est fidèle à ce rendez-vous depuis des années et des années. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé depuis la rentrée pour apprendre les chansons que vous allez nous chanter. Donc un grand merci aussi aux professeurs de la ville de Paris, des écoles Oudon. C'est ça ? Flocon ? Très calme. Donc, souvent, quand je cite les noms des écoles, tout le monde se met à crier, mais faites ce que vous voulez. Donc, Oudon, Flocon, Le Pic. Je me disais aussi qu'il se passait quelque chose de bizarre cette année. D'Orléac B. Et 65 d'Orléans. Ben voilà. Bravo. Ah, pardon, en plus, je l'avais. Et Torsi, ils sont où? Je n'avais pas vous oublier. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de participer à cette 89e édition de la Fête des Oranges autour du thème de l'égalité. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser aussi pendant le week-end et peut-être ce dimanche au nouveau parc Chapelle Charbon. Peut-être que les enfants de l'école Torcy connaissent, mais peut-être pas tous les autres. Donc si vous voulez, vous allez pique-niquer avec vos parents dimanche à Chapelle Charbon, ça sera l'occasion de découvrir un nouveau parc du 18e. En tout cas, un immense merci à vous toutes et à vous tous de nous offrir ce beau moment de poésie au pied du Sacré-Cœur. Très belle fête des vendanges à tous. Alors, pour le premier chant, nous allons avoir deux solistes parmi nos collègues professeurs de musique de la ville de Paris, qui sont formidables. D'ailleurs, on ne les a pas nommés, les collègues. Il y a Corinne et Niloufar qui vont chanter. On a Roselyne qui a fait le chantant. Virginie, Valérie, Delphine. Et j'ai oublié la fin. Ah oui, bah moi, oui. Donc on va se lever très calmement pour démarrer. Et là, le grand silence. Assis, on a bien assis, on a bien assis.
Sans copie,
l'église de la République française. Et les enfants ont appris à la signer pour être compris de tous ceux qui n'entendent pas. Donc vous allez nous montrer ça. Et vous restez très silencieux. Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité. Pour tous la liberté, que nous donnons à envie. Aussi l'égalité, non ce n'est pas une copie. De la fraternité, l'esprit nous réunit. Suffit de se parler, de s'écouter. Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise pour que égalité, fraternité. Trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots qui donnent du bon sens à la France. Avec une chanson.
chanson d'un de mer aux âmes citoyens, qui reprend un peu les paroles de notre hymne national, mais avec d'autres... à la fin, pour vous rappeler, il y a aux âmes citoyens, pas d'adresse, pardon. Ok. Ah!
Comme ça, vous allez pouvoir rentrer déjeuner.